la team chien à Stach mou. Bon bah comme vous avez pu le voir, hein, le stunt dont j'ai reçu les carénages tout neufs, pour l'instant il n'y a que les carénages qui sont neufs. Hein. Je ne sais même pas comment il a pu rouler, je l'ai prêté à Maxence pendant les 6 mois où il a travaillé ici, il a roulé avec tous les jours et tout. Par contre il ne dépassait pas 55, 57, on ne savait pas pourquoi. On a essayé de changer le vario, les galets, j'ai essayé de le régler. Bref, il n'y a rien qui faisait, il ne voulait pas prendre de vitesse. Donc on s'est dit, bah attends, avant de changer les carénages et de le dépouiller, on va regarder le cylindre. Vu qu'on avait dit soit on mettait un kit, soit on mettait d'origine. Dans les commentaires, on m'avait tous dit de le laisser d'origine. Donc je pense qu'on va continuer sur le délire de full origine tout neuf. Mais là par contre, vous avez vu, hein, il manque un segment. Il y a un clip qui était à demi-partie et qui frottait le cylindre mais qui tournait encore. Bref, c'est vrai que l'origine pour le coup, c'est 100% fiable et solide. Ça, il n'y a rien à dire, je valide fort. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a une balafre digne d'un pirate. Elle est énorme. Le segment, j'ai l'impression qu'il est pété en deux, frère. J'ai l'impression qu'il est pété le segment. Je sais même pas s'il bouge fort. Ah si, si, il est pété le con. Je te jure qu'il est pété, c'était ma gros. Enlève-le. J'en suis sûr qu'il est pété. Si, si, là, il y a le guide, Théma. Il est pété là. Je sais même... Waouh. Truc de ouf quand même. Donc en fait il fonctionne avec un segment et 0,5 segment je crois. Eh ouais, c'est vrai qu'il est pété de partout franchement. Oh, il a pris cher de fou deck. Regardez le clip, il a deux doigts de se barrer. L'autre clip carrément Mathias il l'a enlevé mais en mode il partait tout seul. Oh là 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 là. Ah ouais. Ça c'est le clip ça. Donc là, franchement, solide. Solide, mais bon, au moins on peut dire qu'on a trouvé la panne, ça fait plaisir. Même le cylindre, il a pris une belle gifle. Il a une belle balafre ici. Je sais même pas comment ça pouvait démarrer et rouler vraiment. En plus, il a roulé quoi avec un réellement. Là, il manque un bout de Nicasil ici. Enfin, Nicasil non, mais un bout de matière. Vu que c'est pas un cylindre à lui, il n'y a pas de Nicasil. Franchement, c'est fort. C'est fort de ouf. Le bas moteur. Il n'a pas l'air mort, hein. Ça a l'air juste bien cracra. Faudra le laver. Donc là maintenant, on sait qu'à cette panne là, je ferai un panier Maxiscoot que je vous montrerai dans la vidéo. Vous me direz si c'est validé ou pas. On va commander ça et puis bah on va le refaire en mode full origine propre de chez propre. Je pense que je mettrai un petit kit 50, histoire quand même ça a un peu plus de puissance. Je pense un petit 50 fonte. Je verrai, j'y réfléchis encore. Là en attendant. On va tout le dépouiller, vraiment tout dégager, le mettre à poil, d'une pour le laver et de deux pour pouvoir mettre les petits carénages touche guide. Hein. Il y a les carénages tout neufs qui sont là. Donc ça, ce serait la deuxième étape. Déjà, première, c'est le mettre à poil. Déjà, on va trouver un problème moteur, c'est cool. Maintenant, bah, il va falloir le refaire. Hein. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est changer le compteur. Avec ce bout de scotch dégueulasse là. Et mettre la sonde à essence, la jauge à essence. J'aimerais bien. Peut-être aussi sur Maxiscoot on va commander les commodos. Parce que t'as vu, ils ont un peu d'étain, c'est dégueulasse. Bon, allez, bon. Maintenant, motivation, démontage de carénage. Et merci Mathias. Hein. Théma, les techniques de Mathias, les scrobars. Ah ouais, c'est un vrai manouche lui, hein. Il est en train de me baisser le compteur. Bon, par contre, là, pour me le mettre à 0 km/h, frère, t'as du temps, hein, je te le dis. Non, mais faut le bloquer, l'ancien. Bon, au moins, le compteur, il fonctionne. J'aimerais bien mettre ce compteur-là, les anciens modèles qui montent à 110. Ça pourrait être pas mal. Ah ouais, tu te chauffes, toi. Bon, bah, courage, hein. Donc là, il essaye de baisser le compteur. Bon, après ça va, il a 19 000, c'est pas un truc de fou, on s'en fout un peu, mais ça peut toujours être cool. J'entends ça met des rises lents, tout. On teste. Là, comme ça, on dépouille, on essaie de le remettre bien en petits oignons, bien tout je dis, et vous allez kiffer ce petit stunt. Mais pour me balader là, pour aller chercher le pain, c'est pas mal. Bon, déjà, le compteur, il est mis. J'ai vérifié la sonde, le niveau d'essence fonctionne, mais c'est grave chou, quand j'ai dans le contact, il redescend pas. Donc, s'il y en a qui a la solution pour ça. Je sais pas s'il y a un petit ressort à la con ou je sais pas. Bref, ça se dépouille petit à petit. Et merci. Au Karcher. C'est vraiment des manouches. La manoucherie. C'est quoi ça? On va mettre les 1 balle. On met 1 balle. Allez. Tout ça pour la vidéo. Hein. Bon bah, dis donc, le châssis du bicylindre, il commence à ressembler à quelque chose, les gars. Hier soir, on a charbonné un peu avec Mathias, on a mis la fourche, la roue. Bon, il y a pas mal d'adaptations à faire. Hein. Là, le disque de DT, il est beaucoup plus grand, donc il faut que j'adapte un disque qui est plus grand sur cette roue-là. La fourche, c'est une galère. Genre, il y a un filetage qui est là. Je pense qu'il y a un écrou qui rentre dedans, tu vois. Donc, il va falloir que je trouve l'écrou qui rentre dedans et que je découpe ce qui dépasse. Mais en tout cas, cette fourche-là, comment elle est petite, Théma. Ça, par rapport à celle, par exemple, de la HM ou de la Sherco, frère. Théma, la taille du machin. Il n'y a rien à voir. Donc, je pense que cette fourche-là, là, ça doit être marrant avec le bicylindre. Ça va lever tout seul. Bon, vous validez un petit peu. De toute façon, les gars, vous inquiétez pas. Semaine prochaine ou semaine d'après, normalement, on va chez Luciane. Le moteur doit être monté. Et on montera son châssis, on pourra la faire craquer. Une fois qu'elle craque, les gars, on va attaquer le projet à 100%. Vous inquiétez pas pour ça. Mais là, le stunt, on l'a ramené au Karcher. On a tout nettoyé. C'est pas trop mal. Je trouve ça assez cool. Bon, le moteur, on a un peu de mal, mais bon, ça va, ça va. Le réservoir d'huile. Tout ça, c'est mignon. C'est plus propre. Le petit compteur qui va à 110. Bah, il a son temps, hein. Il a quelques années quand même déjà. C'est un 2005, ça veut dire il a quoi? Bah 20 ans. Il a 20 ans quand même. Donc on va le refaire tout neuf. Aïe. On remercie Proto Type Scoot Phase 1 pour tous les carénages. Il va être touche vide. Ça, il y a encore le RT100 là. Le RT100 FLR qui ira sur la Sherco. Ça sera après le bicylindre, les gars. Oh, il y a trop de projets là. Il y a vraiment trop de projets, hein. Trop chaud ça, Adri. Maintenant, il faut les finir. Hein. Donc, bon, généralement, quand je commence, moi je finis. Hein. Vous le savez, on est ensemble. Voilà quoi, on parle pas chinois. Donc là, comme vous pouvez le voir, le cylindre, il est démonté. Celui-ci, il est mort. Donc, j'ai fait quand même mon petit panier chez Maxiscoot. Si ça vous tente, les gars, on va aller voir ensemble ce que j'ai commandé. Hein. Je vais pas vous cacher, il y a du Stachis. Ok, on est d'accord. Maintenant, je monte en haut, on va à l'ordinateur sur le MacBook et je vais vous faire voir ce que j'ai commandé. Allez les gars, c'est parti. On laisse les bécanes tranquilles, se reposer. Qu'est-ce qu'elles sont belles la Sherco et la HM quand même. J'ai hâte. Il y a aussi cette deuxième HM, ça sera un projet qu'on va faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Et il y a peut-être ce Nitro que j'aimerais bien vous faire gagner. Genre refaire comme j'ai fait l'année dernière, un petit Nitro en Stachis, c'est le faire gagner à l'un de vous. On verra. Si ça se fait pas, j'ai encore un stunt. Truc de ouf, mon téléphone, les 512 Go, ils sont remplis. Donc ça m'a coupé la vidéo. Bref, je vous ai dit, il y a la HM aussi. Là, il y a le stunt, il y a le Nitro. Il y a plein de projets que je peux vous faire pour vous en faire gagner un. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va monter et on va aller voir le panier que j'ai fait sur Maxiscoot.com. On n'oublie pas le code promo Salade. Non. Taboulé libanais, il a changé. Taboulé libanais, mais taboulé sans le T à la fin de taboulé. Donc taboule libanais, tout en majuscule. Allez, on monte en haut. Bon, ça y est, l'ordi est allumé, les gars. Je vais vous faire voir le panier. Dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai fait le bon choix. Et puis, bah, ça partira de chez Maxiscoot et ça arrivera chez moi très prochainement. Normalement, en 2 jours, 3 jours, c'est en Espagne, les gars. Alors en France, c'est censé être plus rapide. Hein. Allez, je vous montre. On commence par le kit cylindre Stachis. J'ai pris un 50 fonte parce que je voulais rester en 50. Une petite cage à aiguille neuve parce que celle que j'avais doit être un peu fatiguée. Une bougie. J'ai pris une petite boîte à clapet Motor Force Racing parce que celle avec les clapets d'origine en ferraille, j'ai pas confiance. Si ça casse, eh ben ça casse tout. Un petit pot low 26 touring pour que ça fasse pas de bruit, que ça reste discret, que ça marche un peu mieux. J'aurais pu mettre un Stachis Sport et tout, mais je voulais pas un pot, un vrai pot de détente avec une cartouche qui fasse du bruit et compagnie. Je voulais que ça reste type origine. Le petit filtre à air type origine Stachis, double mousse mignonne. Le petit kit variation Stachis Sport Pro pour Nitro et Booster. Donc il y a l'embrayage, la courroie, le variateur sport. C'est large suffisant. Une petite cloche d'embrayage type origine Motor Force. Le phare avant, parce que dans la face avant que j'avais, bah, les collés, il n'y a plus de fixation, c'est un truc fait à l'arrache. Un phare arrière type origine, comme ça au moins je sais que ça fonctionne. J'ai pris 2 fois des clignotants pour mettre des clignotants neufs à l'avant, à l'arrière. Une ampoule pour l'optique avant. Un sachet de 20 vis et des agrafes pour bien fixer la carrosserie. Un dessous de tablier parce que je ne l'avais pas. Donc comme ça j'en mets un noir qui va bien de chez STR8. Un marche-pied neuf pareil, type origine de ces STR8. Garde-boue arrière, donc la bavette origine Yamaha. Le capot moteur droite, donc là où on met le pied passager de chez Yamaha origine. J'ai pris côté gauche aussi pareil. Et après les gars, j'ai pris quoi? De quoi du moins refaire ma garde-robe. Parce que chez Maxiscoot, vous le savez, le streetwear, c'est depuis toujours. Donc là, ils ont sorti des nouveaux pulls, des nouveaux t-shirts, tout ça. Ça m'a chébran direct. Et il y a une mouche qui est passée, je sais pas si tu l'as vu, mais elle m'a stressé. Allez, je vous fais voir ça. Donc, la casquette courbée, comme moi j'aime bien, un type street. Ça, j'en ai pris une. J'ai repris la même en orange que j'ai sur la tête. Parce qu'il y a un perroquet, là comme ça, vous le voyez pas, mais j'étais un parc d'oiseaux en gros. Il y avait des perroquets. Théma, il y a un perroquet l'enfoiré, il m'a pété. Je sais pas si tu vois, mais il m'a pété le petit truc orange là. Ici, normalement, il y a une boule orange. Donc je le voyais sur ma tête et tout, il bougeait pas le perroquet. J'ai dit, oh, trop cool, j'ai fait des photos et tout. Et après, je vois, il se barre l'enfoiré, il avait le truc orange dans la bouche. Donc je m'en reprends d'une neuve. Donc voilà, le truc orange là que je vous ai dit qui m'a volé. Le petit Stachis à Proved. Le petit nouveau jogging Stachis. Des chaussettes Stachis. Le t-shirt Stachis, il est magnifique celui-là. Petit boxeur Stachis. Lui aussi, il est beau celui-là, je l'aime bien. Je le voulais. Le tout nouveau t-shirt Maxiscoot, les gars. Il y a celui-ci et celui-ci, c'est les nouveaux. Donc j'en ai pris un de chaque. Ils l'ont fait aussi ensuite à capuche. Donc j'en ai pris un aussi. J'ai repris un t-shirt Stachis bleu avec écrit Stachis en orange. Ils sont vraiment beaux. Celui-là, j'en avais déjà un, mais il était un peu sale. Et j'ai pris le petit bonnet Stachis, les gars. Donc, je sais pas ce que vous en dites. Dites-moi dans les commentaires si ce panier est validé, les gars. On n'oublie pas le code promo Taboulé Libanais. Comme je vous dis toujours, quand vous voulez mon nouveau code promo, les gars, vous allez sur mon Instagram et sur mon mur, il y a toujours le code qui est mis à jour. Donc, profitez-en. Quand vous cherchez, hop, mon Instagram, Salade 93. Et il y a toujours le code dès le début du mur. Donc voilà les gars, maintenant on attend les pièces de chez Maxiscoot et on va attaquer ensemble le projet Stunt, rénovation, full origine. Enfin non, on va pas mettre full origine parce que ce serait faux, il y a un kit 50 même. Même si c'est un 50 fonte, ça reste un kit 50. Donc rénovation Stunt les gars, on fait ça ensemble. La saladerie n'est jamais finie. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir, ce que vous voulez voir en plus. Les vidéos sur YouTube ont du mal à performer, je vous mens pas. Je sais que c'est compliqué et tout, mais j'aimerais bien avoir vos avis à vous. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'on redécolle comme il faut? Je compte sur vous les gars, j'ai besoin de vos avis. Je sais que quand même, il y a toujours une minorité de gens qui regardent toujours mes vidéos. Je vous vois dans les commentaires. Merci à vous pour tous les commentaires, vraiment. Ça fait grave plaisir à chaque fois que je vois vos commentaires. On lâche rien la famille, on est ensemble. Merci à vous, merci à Maxiscoot, merci à Stachis. Et pas merci.